Muhammadu Rasulullah. Salut le prophète, l'imam des prophètes, le sou des prophètes, Muhammadu Rasulullah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Ils sont en fête ce jeudi 6 juin 2024. Ce sont les enseignants et les apprenants de l'école franco-arabe Al-Mubasharina Biljana de Kandy. Après 9 mois de cours, ils se retrouvent pour faire le bilan de l'année scolaire qui s'achève. La lecture du Coran, l'enseignement de la langue arabe, l'éducation islamique et la langue française sont développés dans les diverses séquences dans cette école. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Zinatou Ousseni Alazi est le maire de Kandy. Elle exprime sa satisfaction. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'assister à cette cérémonie de fin d'année de Al-Mubasharina Al-Janna ce matin. Je suis vraiment très, très heureuse et très fière de rencontrer vraiment les apprenants et les enfants. Et 9 mois de cours sous la pluie, sous le soleil. Aujourd'hui, c'est, je peux dire, les vacances. Et les enfants sont heureux et très fiers et du fait que je suis de la commune de Kandy. Parce que j'ai rencontré les enfants, filles comme garçons, d'Aliboury et de ma commune, je peux dire, des arrondissements d'Angaradebou et les arrondissements de Kandy 1, l'arrondissement de Kandy 2, de Kandy 3. En tout cas, j'ai tout rencontré. J'ai pu rencontrer des enfants. Et si vous voyez, vous avez constaté avec moi la manière dont les enfants et lisaient le Coran et traduisaient le Coran. Je suis vraiment très, très heureuse. Et si je ne venais pas ce matin, et vraiment ça allait me faire mal. Parce qu'une fois, une chose est d'être là, de constater le fait, et une chose est de se faire raconter. Donc, je suis là, témoin, et j'ai touché la réalité des doigts. Et j'ai constaté que les enfants là sont très bien éduqués. Très très bien éduqués, très très bien encadrés et ils sont propres. La propriété, l'environnement, tout est propre. Surtout, j'oubliais la population, il va falloir que nous commençons la sensibilisation. Parce qu'avec ce que je viens de voir, je l'ai dit tout à l'heure, que les enfants ont reçu une bonne éducation. Ils sont très bien éduqués. Donc il va falloir que nos parents puissent envoyer leurs enfants. J'ai rencontré les enfants de Borgo, j'ai rencontré les enfants de la Takoura et de la Donga. Il va falloir que dans la Libori, que nous puissions nous plier en quatre et qu'on mette dans la tête que les enfants là, les éducateurs, quand même s'occupent très bien de ces enfants là. L'éclosion de cette école et la réussite des apprenants ne peuvent être une réalité que si l'implication des parents et la détermination des apprenants sont visibles.
Oustaz Draman Aliou Moko, directeur du centre Al-Moubacharina Biljana, situe le contexte de la fête et lance cet appel. Nous sommes pour la fête de fin d'année pour nos élèves qui sont au nombre de 56 élèves, 51 garçons et 5 filles. Et au centre Al-Moubacharina Biljana, ils vont à l'école, comme tout le monde le fait. Et à part ça, ils étudient le Coran. Ils bichent le Coran ici, aux endroits des enfants, que de bien réviser ce qu'ils ont appris au centre Al-Moubacharina Biljana ici. Ils n'ont qu'à toujours continuer par réviser le Coran ou bien par augmenter ce qu'ils ont biché. Donc, ils ne vont pas aller en vacances pour aller jouer et regarder la télé et de ne pas. Et encore, de bien lire, de bien réviser leurs cahiers. S'il y a des cours de vacances, ils peuvent participer. Et au centre Al-Moubacharina Biljana ici, nous organisons des vacances coraniques. Inch'Allah, ça commencera de 1er juillet 2024 au 15 août 2024, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah, on accueille les enfants au centre Al-Moubacharina ici et pour 45 jours, 45 000. Il y a 2 000 pour l'inscription, Inch'Allah. À l'occasion, les encadrants et les meilleurs apprenants ont été récompensés, tout comme les lauréats du jeu concours Ramadan Karim, organisé il y a quelques semaines par la radio Candy FM pendant le jeûne musulman. Satisfaits, quelques apprenants saluent l'initiative et promettent de maintenir le cap. On remercie beaucoup les alphas qui nous ont encadrés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. On va à l'école, nos professeurs, on les remercie. Nos parents qui nous ont envoyés ici, on les remercie aussi. Ils nous ont envoyés ici pour que demain nous deviendrons des grands cadres islamiques, les députés, les présidents, les maires. Nous les remercions tous. Ceux qui sont à la maison, je les ai dit, qui n'ont qu'à venir au centre Al-Moubacharina Biljana. Car là, on apprend l'homme comment respecter les gens, comment apprendre le Coran. On va à l'école, on apprend l'éducation islamique et autres. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on est dans le centre ici. Pour on nous apprend les éducations, nous allons à l'école, nous travaillons bien. Et nos surveillants, nos alphas, nous éduquent bien. Je prie les gens qui sont à la maison, je les prie qu'ils viennent ici. Parce que ici, là, arrivés à la maison, nous respectons les gens, on prie à l'heure, nous jeûnons, nous asseyons ensemble, il y a la fraternité entre nous. Il faut retenir que l'école franco-arabe Al-Moubacharina Biljana, qui fait des merveilles depuis quelques années, est située à Kandi dans le département de la Liborie, est dirigée par le prédicateur Oustaz Draman Aliou Moko.